Attends. Je suis là. On n'est pas chez Uluwatu. On est dans une grotte pas loin. Il y a un héron et une éclipse à l'entrée. Ok, j'arrive. Il pourrait peut-être nous couvrir. Tu l'as ? C'était un piège. Ils ont pris la boîte et... Uluwatu a été capturé. Ouais, on est au courant. On est en train de réfléchir à un plan. Elle se trouve dans la prison près du vieux temple. Akan y est allée. Mais ils l'ont eu aussi. On va attaquer le pont qui mène à la prison. C'est trop agressif. Et si je grimpais ici ? Je la libère et je donne le signal pour l'assaut. Ça peut le faire. Edsley est en train de fouiller le temple du quartier supérieur. Il va te trouver un chemin. Je vais aller lui parler. Les renforts seront là quand tu l'auras retrouvé. Parfait. Puissance et sécurité. Merci beaucoup. Lara. Je vais la retrouver. Je sais. Je vous invite à la prudence, prêtresse. La révolte est étouffée, mais elle gronde toujours. Seule, vous faites une cible de choix. Je devrais pouvoir me débrouiller si je croise un rebelle. Bien dit. Ils peuvent rien contre nous. Même s'ils se battent comme des démons. Ils se battent pour survivre. Ces soldats morts, il y a plus de rebelles que de fanatiques. Kachevanu chik in topikono. Chen humpel batelilo chel bishunahe. Beishan in tuku. Minano nukolo, malo. Yetel mishuts kansani lobi. Chokili uhet, tantike. Beili kun uchulo. Hachuahel un binton, un sil, uaminan, kukulkantik, uignalone. Thank you.
Je comprends pas ce dialecte. C'est sûrement que j'oublie quelque chose. J'aurais dû faire quelque chose. Ils ont capturé Unuratu. Et les autres rebelles, ils vont les tuer pour l'exemple. Mon Dieu, quel cauchemar! Lara, ton déguisement de la garde serpent est très réussi. J'ai trouvé le mot de passe pour la prison de ma mère. Les yeux innocents clignent à l'aube, quand la faiblesse disparaît. C'est noté. On va la faire sortir, Etsli. Encore une chose. Ils ont capturé Akan. C'est le père de mon ami Kayara. S'il devait le sacrifier, je... J'ai compris. Seuls l'exalté et le sage peuvent pénétrer en ce lieu sacré. Les yeux des innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît. Tu peux entrer. Amaru, rappelle-toi qui tu es. Je suis l'un des vôtres. Oui. C'est pour ça que tu m'as fait arrêter. Si mon frère était en vie, paix à son âme. Oui, il trouverait que cette querelle a assez duré. Reviens-nous. Mais c'est fait. Je suis chez moi. Unuratu essaie d'imaginer la prospérité de Paititi quand l'aube se lèvera sur un monde sans menace extérieure. C'est toi, Amaru, la menace. Refaire le monde. Nous créons tous le destin, tous ensemble, naturellement. Tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai fait pour Paititi. Tout. Malgré les divisions, je l'ai unifié. Je suis le seul à voir la vraie menace. Tu vas et tu viens, comme si ta vie ici n'avait pas d'importance. Oui. J'ai vécu à l'extérieur, et je sais ce qui nous guette. Chaque jour, le mal approche. Paititi ne survivra pas à l'invasion. Tout ce que nous sommes sera pillé ou détruit. Alors nous devons combattre ensemble, selon la volonté du peuple. Restaurant le soleil, hein? Ça ne mettrait Paititi à l'abri que quelques temps seulement. Et ensuite, ça n'empêchera en rien qu'on nous découvre, qu'on nous envahisse. Nous sommes maudits par le destin. Non! Non! Nous devons être forts. Décisifs. Et pour moi, j'ai besoin de ton intelligence, ta résistance dans mon monde. Un monde régi par le culte de Kukulkan. Ou devrais-je dire les Trinitaires? Si c'est le pouvoir que tu veux, je te laisse. Aide-moi maintenant à faire survivre Paititi et puis... Je t'en prie, gouverne la ville comme tu veux, je te laisserai le trône. Je te le promets. Non. Je trouverai la boîte et je restaurerai le soleil.
sa lumière te jugera. Pourquoi est-ce que tu me méprises à ce point ? Ramenez-la, en cellule. Tu peux toujours m'enfermer, mais jamais je ne trahirai notre peuple. Non, mais tu les décevras. Il n'y a plus de boîte. Un missionnaire, Andrés Lopez. Il l'a volé. Il y a 4 siècles. Tu as gâché ta vie en cherchant au mauvais endroit. Laisse-moi. Jonah, je sais où elle est. Je vais la chercher. Ok. On est en chemin. T'as senti la secousse tout à l'heure ? Oui, quand j'étais dans le cénote. C'était un signe avant-coureur. La terre va bientôt trembler. Il faut qu'on se dépêche. Ouais. On va libérer Unuratu, et puis on ira chercher la boîte ensemble. Désolé, personne n'a le droit d'entrer. Thank you.
Je viens de traverser le fleuve. Je suis presque à la prison. Ça grouille de garde. On dirige vers le fleuve. Je te recontacte quand on y sera. Ok. La boîte n'est pas à Paititi. Je sais. Je vais être forcée de rejoindre Amaru. Je me serais battue en vain depuis la mort de Sairi. Je ne les laisserai pas faire ça. Allez, on y va. Nous n'avons plus le temps. Quelqu'un doit trouver cette boîte. Si le soleil n'est pas rechargé ou le monde refait, nous serons tous détruits. J'ai trouvé un autre indice. Je crois. Les tatouages sur votre bras, le héron et l'éclipse, les mêmes symboles étaient gravés sur l'autel où se trouvait la boîte. Quoi ? Parlez-moi de ces symboles. Celui-là, c'est ma destinée. Le feu cramoisi de chaque chaîne. Celui-là ancre mon passé. Il symbolise Shinshichika, le dernier empereur de Paititi. Sa tombe est dans le quartier supérieur. Vous pouvez m'y conduire ? Ils ont envahi cette tombe. S'il y avait quoi que ce soit, ils l'auraient certainement déjà trouvée. Amaru n'a pas cet indice. Il ne sait pas ce qu'il doit chercher. Il risque d'y avoir des gardes partout. On arrivera à se faufiler. Ce sera dangereux. Je sais. Dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Comment va Etsy ? Bien. Il m'a aidé à vous trouver. Il doit être avec Ushu. Jonah, je suis avec Onuratu. Oh, parfait. Edsley veut lui parler. Mère, on envoie des renforts. Tu veux que j'aide Ushu ou qu'on en profite pour capturer la zone ? C'est toi le chef en mon absence, Edsley. Suis ton instinct. Leitchkalankoele loputzi, hachpila wicho. Le dernier, vous croyez ? Pour l'instant. Dépêchons-nous d'atteindre le quartier supérieur. Après vous. J'ai du mal à comprendre.
Sûrement une sorte de dialecte. Je crois que c'est bon. Allons-y. Prends cette clé. Viens, je veux te montrer quelque chose. L'éclipse se rapproche. Lorsqu'elle sera là, la boîte voudra s'ouvrir. La tentation de la boîte est très puissante. Elle cherchera à m'attirer, à me tenter de ses illusions. Une solution simple à nos problèmes. Mais elle ne me montrera que mes désirs, mes secrets les plus forts. Je me prépare depuis toujours à la combattre. Amaru n'a pas encore vu la boîte, mais déjà son pouvoir corrompt son esprit. Paititi est un peuple qui ne survit que par notre volonté, tous ensemble. Donc, si Amaru recrée Paititi à son image, c'est comme s'il détruisait tout. Oui. Le monde extérieur est une menace. Mais le risque fait partie de la vie. Nous devons rester forts et fidèles à nos valeurs. Vous êtes sûr de pouvoir résister à ce pouvoir quand vous l'aurez ? Non. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. Allons-y. C'est quoi le cramoisi ? C'est ma destinée. C'est en rapport avec le sacrifice de Kukulka. Quand le feu cramoisi fume, cherche ton miroir. C'est une force de responsabilité. C'est tout ce que je sais. Ces créatures, est-ce qu'elles viennent parfois par ici ? Des créatures ? Elles attaquent. Dans les grottes autour de Paititi, elles s'en sont prises au Trinitaire. Et près de l'hôtel où se trouvait la boîte, elles se sont jetées sur moi. Tu veux dire les Yashil ? Des Yashil ? Ils étaient grands, rapides, affamés. On aurait dit désespérés. Je ne parlerai pas de créatures. C'est bien plus que ça. Au Yashil. Les légendes sont nombreuses. C'était il y a longtemps. Mais Paititi leur doit en partie sa sécurité. Ils la protègent ? Je ne sais pas si c'est leur intention. Mais leurs actions ont cet effet. Ils n'attaquent jamais la ville ? Non. Nous vivons tous en bonne intelligence. Je crois qu'Amaru prépare un sacrifice public. Avec un rebelle ? Nous devons l'arrêter. Non. Pas sans préparation. Et pas au risque. Sauvé. Tous ses camarades voient la lumière
des innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît. On va y aller. La tombe est là-haut, sur cette statue. Je vais surveiller la porte. Ce sera pas long. Jonah, on approche de la tombe de l'Empereur. On est près du fleuve. Parez à vous récupérer, Onuratu et toi. Dis-moi quand vous serez prête. Ok. Je peux entrer par là. Lara, t'es où ? Dans la tombe de l'Empereur. J'ai presque terminé. On sera prêts. A dû se développer après sa mort. Ok, l'éclipse et le héron. Qu'est-ce qui manque ? Mais c'est Lopez qui a laissé ça. Le cœur du serpent est dans la coupe. Ici le commandant Rourke. On a une piste pour la boîte. Vous trouvez Croft. Onuratu. Non. Donne ça à Etzli. C'est l'héritier légitime. Il doit régner sur Paititi. Il est jeune, mais fort. Son esprit aussi noble que son sang. Tenez bon, restez avec moi. La boîte, elle va t'attirer. Résiste. Nous créons tous notre destin.
Manach kun sikbaesh, janin kashtikon. Janin katpek sikmash petech. Manach talesh tim wignal, satantesh apilik awichesh. Jonah, où es-tu? Je suis sur le quai. Je te vois. Hey, on est prêt à partir. J'arrive. Où est Onuratu? Les Trinitaires. Elle est morte en les combattant. Oh non. Ouais. Où est ma mère? Ta mère, elle... Elle s'est battue. Mais c'est l'amulette du monarque. Maintenant, elle est à toi. C'était une guerrière. L'éclipse se rapproche. Si nous ne resterons pas le soleil... Je trouverai la boîte. Je ne laisserai pas faire le culte de Kukulkan. Commencez les préparatifs pour la chambre funéraire. La reine Unuratu vivra dans notre cœur. Ushu, aide-les pour le bateau. On va se préparer au combat. La rébellion doit gagner. On viendra avec la boîte. Bonne chance. Nous serons prêts quand vous reviendrez. Maintenant. On rentre à Kuakiaku. On fait le point, puis on verra.
Tout ça pour une nouvelle énigme. Ça disait quoi ? Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Bon. C'est toujours mieux que rien. Je suppose. Il faut trouver la boîte pour régler ça. Par là.